Voilà, on y est. Voilà, on y est. Alors, après moultes aventures, dû à un problème, un petit problème que j'avais, je pense que c'est bon. Normalement, ça. Mon fil, il m'énerve. Je pense que c'est bon. Normalement, ça devrait plus laguer. Donc, bah, je commence avec. Ouais, une bonne heure de retard, mais c'est pas grave. On recommence, chevalier des... Hop, c'est parti. Croisons les doigts. J'ai tout réglé normalement. C'est... Bah, de toute façon, c'est là que ça va me dire... C'est là qu'on va le voir tout de suite, de toute façon. Il y a une mini cinématique. Là, le chargement, il est... Ah, c'est bon. Impeccable. Je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super. On y va. Au travail. Par ici. Je suis juste derrière toi. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce que je pourrais pas augmenter ça? C'est peut-être tout, non? Oh là. Voilà, bien. Les clones, ça rigolait pas. Il a quelques années, pas plus. Ouais, mais il a moins bien vieilli que toi. Ha! On n'arrête pas le progrès, que veux-tu? Je t'assure que pour rien au monde, j'irai récupérer des explosifs. Ah, t'en fais pas! L'argent sert à rien si t'es mort. Fais ta Redgrayer, peuvent pas se mettre ça dans le crâne. Tu devrais te faire ausculter. Non, je suis sûr que c'est rien. Je ne pense pas que tes outils vont pouvoir tenir jusqu'au bout. Ah, tu dis ça à chaque fois. Tu te souviens de l'époque où la guilde entretenait tous nos outils? Ouais, c'était le bon temps. Ce contrat impérial, c'est de la bouse de Banta. Faut payer pour entretenir nos propres affaires. Hé, hey, boucle-la. On sait jamais si ces droïdes nous écoutent ou pas. J'écoute un peu hein, les environnements, les trucs. Ouais. Admire-moi ça. Un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu de Luquerolles que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. C'est magnifique, même si c'est une usine de démantèlement. Tous les vaisseaux de la guerre clone. Dans
danger. Danger. Hé, hey, tout va bien? Ouais, ça va. Mais il n'y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Je vais faire... je vais peut-être faire ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. Alors, apparemment, je peux pas monter donc. On regarde vite fait, je pense que quand c'est rouge comme ça, c'est que c'est là qu'on peut passer. Ok, on fait un peu de surf. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Là, c'est, ça a lagué parce que c'était dans le jeu. J'ai un peu lagué. Mais normalement, c'est bon. Alors. Ok, je peux monter là. Je serais trompé. Ah, là, la corde. Alors, il s'agrippe tout seul, hein. J'appuie juste sur un bouton et il fait tout seul. C'est pas pour la corde, fallait pas que j'appuie sur un bouton au bon moment. On s'en va. Laissez que clore la saga. Et c'est magnifique. Je fais que passer. Attention, le stabilisateur est mort. Kill Terminus. Je t'avais dit de changer le stabilisateur. Tu parles sur ta carte d'édito. Tu trouves qu'il est réparé? Alors, sauter. Ah, là, il faut que je m'accroche. D'accord. Tac. Commence à sauter, appuyer pour grimper. Ah, c'est l'autre bouton, d'accord. Je me suis trompé. Eh, hey, maniez-vous, on va réussir à finir en avance. Je peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Allez, finissons-en avec ça. C'est pourri là où calme on travaille. Calme le casse-cou. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Faut pas être gros. Hein. Oh là, méga lag. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ah oui, je suis mort. Premier fail. Génial. J'ai sauté un poil trop. Ok. Écale, je te retrouve aux pinces. Ça marche. À tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah, la corde. Ah.
laser de chantier, là. En avant toutes. Bon, on va s'activer. Ouais, t'as bien raison. Eh ben, j'espère que c'est bien payé, parce qu'après toute cette crapahutade... je sais pas ce que c'est. Après avoir crapahuté un bon moment... Allez, faut qu'on termine avant qu'il commence à découper l'aile. Actionnez. Dal, actionne le levier de contrôle manuel. Je suis la trouille. C'est bon. Bouge pas. On prend des risques. Ouh là là. C'est bon. Viens me rejoindre. Eh, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Tous ces Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. Alors voyons, c'était le vaisseau de qui ? On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République, en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. C'était quoi? On doit bouger, ouais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a les primes pour les gens comme toi, mon frère. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention.
Alors les mecs, ils ont une usine de démantèlement au-dessus d'un monstre. Genre Sarlacc. C'est chaud. Tu tiens le coup, Cal? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal. Ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je... sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais... par ici... t'es en danger. Peut-être que tu... et tu devrais... disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. On dirait le métro de Star Citizen. Je crois qu'il se trouve sur... Nar Shaddaa. Oh, ouais. Nar Shaddaa. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. On dirait les mêmes. Un peu plus petits, mais on dirait les mêmes sacs. Les sacs à dos dans. Dans Star Citizen. Nar Shaddaa, j'y suis allé avec un autre jeu il y a environ 3000 ans. Prof! Donc, ouais, c'est cool de voir comment ça va changer. Alors, interagir. Comment on interagit? D'accord, c'est... Prof, attends! Où tu vas? Wow. Ouais, ça c'est les couloirs de l'Empire. Pourquoi il marche de travers comme ça? Waouh, la badass. Ça donne envie de dire... Oh, voilà. Enfermé. Thanos. Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. Maître, n'accorde ta confiance qu'à la force. Donc on a vu son maître. Le train n'avance plus. Ouais. Son maître, c'est Thanos. Mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Ouais, où tu nous as vendu. Le premier ordre.
Tiens, je sais pas si on est dans le premier ordre ou... Est-ce qu'ils sont tous là ? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme Ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'il se livre maintenant, ou tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. On a déjà sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Satan, c'était même pas toi qui cherchais. Je maîtrise le Jedi. C'est quoi ? Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici ? On se calme. J'ai un fugitif. Eh, c'est pas la peine de le signaler. Silence. Ici TK 81-90. Oh, ennemi en vue. Bon, première victime. T'as entendu à la radio ? Ah, il est mignon, lui, le petit droïde de peinture lurée. Et les gars, putain. D'accord. Contact confirmé. Abattez-le. Juste avant le tir de blaster. Je savais que ça finirait comme ça. D'accord. Le Jedi est là. Compris ? Il bloque mes attaques. Il est ma feinte. Super. Ça veut dire que je vais terminer. J'ai fermé la porte. Forcément. Pas le choix. Faut pas que je m'arrête. Alors, c'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. On n'a pas le temps de se reposer, Stormtrooper. D'accord, c'est ça.
regarder. Allez, viens te battre. Je veux pas mourir ici. D'accord, il y a des exécutions, des chambres d'exécution. Arrête de chercher à fuir. D'accord, ouais non c'est moi, hein. Je suis un boulet, j'avais pas lu. En fait, tu t'appuies au bon moment et bam. On contrôle la situation, pas vrai? Ouais, faut le loquer parce que sinon. Yeah. C'était celui-là. Mais lol. À l'avant. Arrête le train. De quoi? Il parle à qui? À moi? Oh non! Il me faut un abri. Maintenant. Je dois foncer entre chaque rafale. Non mais t'es sérieux, tu vas pas m'expliquer quand même. C'est pas le premier jeu qui utilise ce système. Plus vite! Ils ont détruit le coupleur. Je dois descendre. Oh non.
est descendu pour protéger ça. Oh, ça c'est pas bon. Pas le choix, il faut monter. Ça tombe, c'était eux qui étaient suspectés. Ah merde, je suis débile de fou. Il n'y a pas à dire, l'ambiance est là. Après ça, t'as plus de pantalon. Allez, saute! T'es cul. Wow. Tiens bon! Saute! Et nous revoici sur le train. Non, on doit esquiver dans les airs. Ah non, c'est... Ça peut se faire. Ah, parce que dans le pouvoir de la force, il y avait un truc comme ça où il sautait et il fallait éviter la main dans les airs. Un inquisiteur. Tu vas quelque part. Alors. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes, peut-être. Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi, tu puisses vivre? Alors, je vais la loquer. C'est trop facile. D'accord. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. Et là, il faut que je l'esquive. D'accord. Quand il faut que je l'esquive. C'est bon, je sais ce qu'il fait. Fini de jouer, Jedi. Thank you.
Oui, vous avez raison. Je suis bon. Merde. Rien. On en finit. Si je lâche pas ma garde. Ah ouais, je Ma patience a des limites. Attends, on peut la battre? Je suis jeté. Fini de jouer, Jedi. Je pense que tu les renvoies. Capitaine! Éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Vous deux? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Et le Conseil Jedi? On dirait Ratchet. Disparu. Non, pas Ratchet, mais comment il s'appelle? Celui des gardiens de la galaxie. Donc vous n'avez que moi. Rocket. Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Ouais, tu dois partir pour vivre ta vie. Les inquisiteurs, ils sont pour trouver ta destinée. Cal, attention! T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. Thank you.
Ok, donc je pense qu'ici on va peut-être pouvoir se refaire un sabre laser. Quoi, ça, de la mandoline? Grise? Non, pas maintenant, j'ai du boulot. Attends, t'es sérieux? Mais je vais comment pour lancer le reste de... Je clique sur mandoline? Cette terre, je l'ai composée il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Comme par hasard. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Jedi que je connaissais à la découverte de la purge. Oh le drop. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors, quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Ah, un temple. Mais seul Jedi quelqu'un qui maîtrise la force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Ça va trop vite, je trouve. On est à peine, je sais pas, à peine arrivé, quoi. Enfin, ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà ici, pourquoi Serré a besoin de moi? On vient à peine de se faire découvrir, quitte d'arriver à se sauver, que déjà ils nous disent, hey, tiens, un temple Jedi. Ah, hey, salut toi.
Ils me font penser au petit... Comment c'était ? Dans Star Wars Rebels, les Lufia, les Lucio, je ne sais plus. Ok, c'est tout rouge. Si, ça me donne l'air. La bâche. Ah, ok. L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre. Point de sauvegarde, hein. D'accord. Arbre de compétences. Oh, je déteste ce genre de truc. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Oui. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, t'en vas pas! T'as piraté ce truc? Merci. Alors ça, j'aime bien, parce que d'habitude, il nous colle un... Le sanctuaire dont Céline m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Genre, il affiche la map et tout. Ouais, c'est mon objectif. J'ai
J'ai un passage à droite et j'ai un passage à gauche. Déplacer, zoom. Ok. D'accord, il t'explique tout. Ouais, donc d'habitude, ils nous mettent un R2-D2 ou un BB-8 qui ressemble à... qui est un peu plus mignon que R2, mais qui est pareil qu'R2 et qui sert pas à grand chose. Que là, lui, il est beaucoup plus petit et... il a l'air cool. Alors... chemin de l'or... c'est un sacré insecte. Une suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne? J'avais un chemin à gauche. Ouais, comment on fait? Ah, comme ça. Comment t'as su que ça marcherait? Hein? Tu savais pas? Ah c'est bon, je vais pas sauvegarder tous les deux minutes. Hein. Alors. Bon, on peut pas s'agripper? D'accord. Ah d'accord, je comprends. Ça doit être un nouveau pouvoir qui va arriver plus tard. Je te crois, mais je voudrais aller voir quelque chose de ce côté. J'aime beaucoup explorer, hein. Si c'est pour faire le jeu d'une traite. Moi je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. En tout cas. Alors, je vais prendre à droite. Ah d'accord. A l'air de sentir plus mauvais que Grise. Wow. Que je devrais venir ici. Donc là-bas, d'accord, il y a le monstre. Attention là-bas, ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge.
J'arrive. Oh, ils sont pas solides. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt pour stocker vivres et matériel. C'est cool. Hey, c'était plutôt courageux. Ça va pas ? Oh, il est blessé la patte. Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien ? Pas la jambe, ou je sais pas. Je peux pas. Oh. D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire ? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Soit je mets du bleu, du vert, d'accord. L'émetteur. Jaro Tapal. D'accord. Interrupteur. Jaro Tapal. Poignée. Matériel. Ok, ouais, donc on va pouvoir customiser son sabre. Donc il y aura certaines quêtes. Enfin, pas quête, mais comment on appelle ça ? BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. Mais ça devrait aller. Comment on appelle ça ? Route. Route secondaire, machin, qui me... Un peu comme le crapaud là, que j'étais en train d'affronter, que je vais revenir, je vais... On dirait que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Je vais y retourner tout à l'heure. Je vais me défoncer. Enfin, j'espère. D'accord. Ouais, je vais m'en remettre. Ah. Hein.
estime de soi. Toi, t'es plein de ressources. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. Bon, d'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. Le problème, c'est que quand il fait des bips, au lieu de marquer bip en bas, ils auraient dû marquer... comment on appelle ça? Ils devraient marquer ce que bip il dit, en fait. Parce que le côté... oui, c'est vrai, je comprends directement ce que tu me dis et tout ça. Moi, ça me saoule, le Royal, quoi. Hé, un coffre! Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir? Qu'est-ce que c'est? Nouvel émetteur obtenu. Et nos cos... D'accord. Ok, c'est pas ça que je voulais faire ça. Ah oui, et je peux redescendre, d'accord. C'est un raccourci. C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. Coffre, je voudrais bien y aller. Mais... Est-ce que je peux le rescanner? BD1? Non, ça sert à rien. Je m'assurais que t'étais encore là. Ah merde, je suis descendu comme un con en fait. Mon jeu. D'accord, là j'ai eu un. Le méga lag, c'est ça. Hein. C'est moi... J'ai sauté et le jeu a lagué. Bah, du coup, non. Du coup, je suis désolé, mais faut que je recommence tout. J'aurais peut-être pas dû descendre. Que je retourne au crap. Non, je vais pas retourner au crapaud. Je vais peut-être après. De toute façon, j'en suis sûr, je vais revenir ici. Certes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Beau travail. D'accord, donc le petit peut scanner des trucs. Le petit robot. Ouais, donc faut que je fasse de la tyrolienne. Ouais, est-ce qu'on peut revenir sur les anciens trucs comme ça? Je sais pas. Enfin, sur les anciennes planètes. Scan. T'as fait une carte des lieux qu'on a traversés?
D'accord. Ouais. Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. Je dis ça, mais je fais des conneries, je dis de la merde, parce que... Ah là, je peux pas y aller. Il faut que j'aille ici, en dessous. Donc, il faudrait que je passe par ici. Bien joué. Ah, d'accord. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ah oui, d'accord. Quand tu te reposes, les monstres repopent. Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Descendre. De toute façon, faut que je descende. On va essayer ça. Non. D'accord, apparemment, il remonte pas. On doit s'enfuir! Choses rouges.
ici, je sais pas comment on y va. Tu peux m'aider, BD1 ? Je suis pas sur la bonne route. Si je descends, je vais me faire baiser. Hein. Je vais aller par là. Là, apparemment, je suis au bon endroit. Là, il y a un ascenseur. J'ai l'impression que c'est un ascenseur. Oui, oui, je suis perdu. D'accord, ça, ça marche pas. Par là. Donc c'est par là alors. Non, c'est mauvais endroit. Attends. Mauvais endroit. Enfin, j'ai dit mauvais endroit en même temps. Il n'y a que là où je peux aller, donc je suis descendu. Oui.
T'as trouvé quoi? Tu vois quelque chose? Donc c'était là. Essaie encore. C'est difficile, maître. Oui, je sais, cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. D'accord, et là... On fait pour monter. Concentre-toi. Attends, je suis débile ou quoi? Ah ouais, je suis débile. Ah merde, j'ai sauté trop tôt, non? Je sais pas si il faut sauter. Bien, encore. Ah. Allez, rejoins-moi ici. Wow, j'ai appris le sprint numéral. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste de quelques trucs. Tu peux me remontrer ce raccourci? Comment je fais pour aller là? Pas dur en fait. C'était une zone de méditation pour quelqu'un connaissant l'ordre Jedi. En fait, il faut juste avoir, utiliser l'astuce. Je peux pas monter en fait. Mais par là, oui. Ce sac appartenait à quelqu'un de Coruscant. Cette personne en voulait au Conseil Jedi. Ça, c'est plus tard, d'accord. Par contre, ça m'a servi à quoi, en fait? Ça m'a servi à rien. J'ai eu un point, je vais essayer de...
points de compétence. Attaque chargée. Harmonie avec la force. Augmente le niveau de force maximal. C'est-à-dire je tape plus fort. Je vais mettre ça. Si je veux défoncer la gueule au crapaud. Et voilà, maintenant ma vie elle a pris une toute autre perspective. Ah là là, je m'y ferai jamais. Hein. En fait, je dois appuyer sur l'analogique. Qu'est-ce que c'est ? L'analogique droit en fait. Ou l'interrupteur de sabre laser obtenu. Sensor fonctionnel. Alors, fais-moi voir. Si je prends ça, je viens là. Par ici. Waouh! C'est ça que je me disais, j'entendais grogner depuis tout à l'heure. Comment je les ai défoncés? Oui, j'ai vu que je pouvais monter, hein, mais je regarde s'il n'y avait pas des... S'il n'y a pas des choses... Tu peux pirater ça? Navré pour ton connecteur. Faire face à ce pirate, fallait oser. Ok, donc il peut pas le pirater. Est-ce qu'il est un peu endommagé? C'était où je suis descendu. D'accord. Donc... je descends là, tac. Tac en bas. Non. C'est là, sur la gauche. Par là-bas. D'accord. On fait la course? C'est parti. Ça c'est parti, tu vois, toi. Règle numéro 1. Tu fouilles, il faut fouiller toutes les zones.
fin. Vous allez me dire, oui, mais toi, t'as pas fouillé toute la zone. T'es un menteur. T'as pas été affronter la grenouille. Oui, j'ai envie de vous dire oui. C'est quoi ça? Impossible. Hop, on peut pas aller là, d'accord. Et puis petit robot, il peut pas. Pas encore pirater, donc oui. Soit je pourrais revenir. Ou soit ce sera après. Ouais, non, je pense que de toute façon, en plus, on a un vaisseau. Quand on parle au pilote, il pourra nous dire « Hey, tu veux retourner sur une planète? Viens me voir. » Je pense que ce sera ça. Et donc, si tu veux faire du 100%, ouais, faudra revenir. Faudra revenir. Puisqu'après ça, il va se passer un truc, et puis après, le vaisseau « Ouais, on nous a retrouvés, machin, vite, viens. » Ou alors... C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. On va interagir avec ça. Pour le découvrir. Qu'est-ce que c'est? Des inscriptions. Encore un? Des offrandes. Hop, ça reconnaît la force. Et je pense que tous les petits coffres qu'on peut ouvrir, je crois que c'est pour se faire un sabre laser d'une personne spéciale. Comme là, j'ai retrouvé le bouton, la poignée, le chemin et tout ça. Impressionnant. Ça va s'ouvrir. Oh, ok, c'est ça. Petit loulit, je joue au milieu, on active. Oh. Et on va se battre. On va se taper. Est-ce que ça va, BD? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages. Et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Efo autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Efo, et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi.
et que la force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Oui. Tu sais, ça fait longtemps que... je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé, hey, tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis ? D'accord, donc on est là, objectif, retourner au vaisseau. Ça me dit quelque chose le truc de la liste des enfants susceptibles de ressentir la force. Je sais plus si je l'ai vu. J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression en effet. Nous t'attendons. Alors, je sais plus si je l'ai vu dans un des films Star Wars récemment ou si je l'ai vu dans Star Wars Clone Wars. Ça veut dire que je peux tuer l'autre. Hein ? Bien joué. Squelette mystérieux qui était vachement grand. Donc je peux toujours pas descendre, mais en fait je peux courir sur le mur. Que les effets portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Ouvert, c'est cool. En avant. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Thank you.
ou pas. Parce qu'il tape fort, Michel. C'est moi qui avais plus de vie, mais il avait l'air différent des autres. Donc disons que on reviendra. Ah ouais d'accord, on doit se taper tout le... J'ai besoin d'aide. Ouais, il faut que j'apprenne à me... Est-ce que t'es toujours là? Faut que j'apprenne à me protéger, hein. Ça, on a déjà pris. Est-ce que je peux ouvrir la porte maintenant? Y a rien à faire. Non. Ouais, c'est vrai que je devais aller là-bas. Bon. J'irai plus tard quand j'irai affronter la grenouille. Qui se trouve ici. D'accord. Et c'est pour... Oh ouais, ça a l'air... Oh, salut toi. Ça a l'air pas mal. BD1 ? Je m'assurais que t'étais encore là. Alors, on se fait des amis? Oh putain, y'a un colis. Ouais, donc tout ça c'est pour du plus tard. Le vaisseau est là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, je peux toujours pas, il faut savoir utiliser la force. Et lui, il connaît seulement la force pour ralentir. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise. C'est quoi ça? Vire de mon canapé. Ouch, descends de là. Allez, fiche le camp. Allez. Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli? Non, pas vraiment. Ah, oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal.
Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efo. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Tu te souviens pas si t'as un holocron? Oh putain. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Ah oui, c'est un vieux. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses Efo. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Hé, hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Eh, hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. D'accord, j'ai planté un truc. Et donc, c'est moi qui choisis les. Et maintenant, direction. Soit on va sur Zepho, chercher des tombeaux anciens sur Zepho. Soit on va sur. Bah oui, mais non. Ils disent d'aller sur Zepho, donc. Zepho. Hangar désinfecté. 12% exploré. 3 coffres, un secret. D'accord. Ah, Zepho, ma planète préférée. Donc on pourra se déplacer de planète en planète, ça c'est cool. Tu m'as jamais dit comment t'es devenu Jedi? J'ai été repéré par un éclaireur quand j'étais petite. On m'a emmené au temple pour me former. Ah oui, les éclaireurs. De sacrés numéros ceux-là, je te le dis. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que c'est, pas vrai? Pas la moindre. Ils éclairent quoi? Eh bien, ce sont des Jedi chargés de trouver des jeunes sensibles à la Force. Comme ceux de cet holocron. J'en faisais partie. Wow, tu sais ce que ça veut dire? Je n'ai pas découvert Cal, si c'est à ça que tu penses. Non, ça veut dire que j'en suis un, moi aussi. C'est possible. Ouais, Grise l'éclaireur. Hé, hey, petit gars,
Assieds-toi, on y est. Dedans, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Et Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. C'est un mix entre Rachet et... Allez, tout doux, tout doux. Merde, pourquoi je l'appelle Rachet? C'est pas Rachet, c'est... Roquette. Parfaite maîtrise. Roquette et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Allez, on est parti. Cal, par ici. Quoi ? Quel point ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Efaux, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Efaux et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûr que tu me comprends. Prof, un ami sur Braca. Il s'est sacrifié pour que je survive. Il croyait en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour Prof. Pour tous les autres. Beau travail. On a réussi. On l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes? Mais à qui tu parles? Une seconde. Attends, je peux lui parler? C'est dangereux d'être en cavale comme ça. M'en parle pas. T'as perdu quelqu'un? Il s'appelait Prof. Il a donné sa vie pour moi. Ça devait être un sacré bonhomme. Un petit peu dans mon genre. Il était. Il a veillé sur moi dès que j'ai posé le pied sur Braca. Sans jamais se plaindre. Sans jamais se plaindre? Quoi, dans ce dépotoir? J'espère vraiment qu'il est pas mort pour rien. C'est jamais pour rien. Jamais pour rien. Je reviens tout de suite. C'est fermé. Ah, ça fait plaisir. Doucement. J'aime les coffres. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Ah, une nouvelle apparence pour notre ami DB1. BD1. Pourquoi je dis DB1? Bon allez. Pénétrons dans le hangar. Hangar désinfecté.
Hey. J'entends des piou-piou. Qu'est-ce que c'est ? Nouveau matériau pour le shoot. Les Stormtroopers ici. Encore un ? T'as trouvé quoi ? Des caisses de stockage. Des gens vivaient ici. Impossible. Alors. Alors, par où faut passer ? Désolé. Alors, c'est bloqué. Par où on peut passer ? Il dit que c'est bloqué de l'extérieur. Enfin, qu'on peut ouvrir de derrière. Là, on peut pas. Donc, ça doit être dehors. Ça doit être par là. Fais attention, bébé. Ils ont l'air dangereux. Je vais regarder ça. Tu m'entends ? Les Impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux ? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Pardon. Des SCAS. Merci du coup de main. C'est fermé. Attendez, 30 secondes. De retour, excusez-moi. Alors.
pas mal leur petit truc de... Comment ça s'appelle? Attends, il y a une fleur là. Faut pas la scanner, la prendre, non. Leur technique de faire un trou et de sortir du trou. Cool, maintenant le robot, il... ouais. Ça vaut pas mon sabre laser. Ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Une boîte de Steam. Ouais, ici. Attends, tu peux en prendre plus? Merci, BD1. Je peux monter ici pour rien. Attends, là il y avait le bébé. Ok, c'était pas la bonne route. Yes.
D'accord. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? Hé, hey, BD1 ! Je te remercie. Quelqu'un qui a nettoyé les stormtroopers. Ok, je vais voir ça. Beau travail. Ok, c'est pas des trucs pour gripper et monter. Dis ça. Ok, on avance. La profonde de charge. C'est beau, hein. Franchement, les environnements sont pas dégueulasses. Je suis sûr qu'on aura. Quelqu'un prend le relais. Ça a pris du pied à Rideau, commandant. Ouais, un Congo, ça a réussi à entrer dans ses quartiers. Il a failli y passer. Il paraît que quelqu'un l'a mis là exprès. Ne nous faisons pas remarquer. Voilà le Jedi. Éliminez-moi cet intrus. Je peux l'atteindre. Je te lâcherai pas. Je crois que ça va se régler au corps à corps. On gère. Ça sera entre toi et moi. Pars avec elle. Je vais les éloigner. Ce ne sont que des mensonges. L'Empire voulait seulement ses terres. Ah oui, les mecs se sont pointés en mode avis d'expulsion. Ah ok, merci. C'est cool ça. On le sort taper tout.
bataille est là. Bien, j'ai compris. Doucement. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? Je regarde. Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les effaux que je ne l'aurais cru possible. Ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que ça contenait ? C'est bien fait, hein. Franchement, j'aime beaucoup les détails. Ah, enfin, on a mis la lumière. Tout
Tout ça pour... Voilà, on arrive à la fin et on met la lumière. J'ai envie de dire logique. Quelqu'un est là. Et je suis mort. C'est pas magnifique? Non mais... Est-ce sérieux là? Lance-moi un steam, BD1. Ça va mieux. Ah, je regardais si je pouvais sauter de l'autre côté, je crois. On a un problème. Un filax. Et j'ai fait le con. Ça doit être un des défauts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, BD. Je suis dans la merde. Il est blessé. Attrapez-le. J'ai une ouverture. Ok. Ok, je vais voir ça. Petite salle de repos. Le fameux raccourci. Thank you.
Ouais, je veux bien, mais... Oh là là, mais je suis aveugle, hein, sérieux. J'avais pas vu la corde. Je suis sur le point de décéder. J'espère que dans les... Hein? Comment on appelle ça? Dans les compétences, je vais en débloquer une qui remet de l'énergie quand on tue des mecs. Ça, ce serait cool. Alors, par là, ils disent niette. Bon, on va aller voir. Myriana, veille sur notre ancien arbre. Ah non, je suis mort. C'est une blague. Comment j'aurais pu le savoir qu'il y avait une bête qui se trouvait là? Non, bah, ils m'ont mis où? Je sais même pas où je suis. Ils sont sérieux, m'ont remis aussi loin. Ennemi en approche. Ok. Il est mort. Allez, attaquez-le. Visez, tirez. Lâchez rien. Et j'ai refait le con. Touché. Je vais pas mourir ici.
Ah non, c'était là. Non, rien à faire. Ouais, je vais peut-être sauvegarder là et m'arrêter. Rétablissement amélioré. Ralentissement amélioré. Bon, là c'est tout ce qui est attaque, là c'est tout ce qui est défense, santé, sabre laser, force. Ah, j'ai deux points. Tiens, je vais mettre ça pour pouvoir encaisser plus. Ah non, c'est ma jauge de garde améliorée, d'accord. D'accord. Et hop, et je saute pour arriver derrière. Par contre, faut que ce soit ma cible.
Où est ton poncho en fait? Attends, c'est que des couleurs pour son poncho? Que des ponchos? Bon bah on va s'arrêter là. Ah oui d'accord, les mecs reviennent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis et puis voilà. Et puis je vous dis et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode pour la suite. Ouais, pour la suite de Star Wars Jedi Fallen The Fallen Order, pardon. Ah, ciao les amis.